7h39 sur Radio J et 30 secondes. On est dans le studio de Radio J, prêt à vous divertir et à vous informer en compagnie d'Annabelle et de Christophe Barbier. Bonjour Christophe. Nicolas. Eh bien, dans quelques instants, vous allez vous entretenir pour notre plus grand plaisir avec Loïc Signor, porte-parole de Renaissance. Mais auparavant, elle est là, dans le studio, avec nous, Annabelle Nakache. Bonjour à tous. Le billet d'humour du matin. Bonjour à tous, 7h40, il est l'heure, mon Signor, l'heure de faire semblant de rire à ma chronique. Aujourd'hui, nous recevons Loïc Signor, une sorte de Edward Norton, version premier de la classe. Oui, c'est vrai. Ancien journaliste, devenu aujourd'hui porte-parole du parti de notre cher président. Alors, si vous pouvez demander à Monsieur Macron de m'avoir des places pour la prochaine réunion des chefs de parti, ce serait génial. J'ai jamais vu un match de MMA et puis en direct. Hein, et puis en plus, ce week-end, c'est mon anniversaire. Voilà, donc week-end, c'est mon anniversaire. J'ai donné à ma famille ma liste de cadeaux, 1 litre d'huile d'olive, 1 kilo d'entrecôte, 3 bouteilles de coca, un paquet de... Oui, c'est ma liste de courses, hein, parce que vu le prix que coûtent les courses, eh ben, tu peux faire une cagnotte Litchi pour te faire financer. Un exemple, les Pampers Baby Dry taille 4 de mon fils sont passés de 43 par paquet à 12,85€ à 40 par paquet à 16,13€. Ça fait 10 centimes par couche de plus. Et bah, du coup, je fais du forcing à mon fils pour qu'il se retienne. Hein. Pour la sauvegarde du patrimoine familial, il a intérêt à vite être propre. Tu vas aux toilettes, sinon je te mets en crèche privée, ok? Il paraît que les crèches privées, c'est la nouvelle place not to be. Couche pas changée, repas absent, manque de personnel, course à la profitabilité. Mais qu'est-ce que j'entends? On n'avait pas dit qu'on faisait ça que pour les vieux? Pas pour les bébés. Ça va pas bien de plagier Orpea. Vous allez devoir leur verser des droits d'auteur maintenant, c'est ballot. Bon, c'est la semaine des idées de génie. La première, pour revenir à l'inflation, dans la grande distribution, les marques, elles font fort, hein. Discretos, ils font semblant donc de baisser les prix, mais baissent aussi les conditionnements. On devrait appeler ça la petite distribution, du coup. Et ce phénomène a un nom, la shrinkflation. On dirait un courant de musique pop anglaise. J'aime balader dans les rayons, le caddie ouvert à l'inflation. J'avais envie de me faire un plat de pâte au saumon. Et puis soudain, j'ai vu les prix, j'ai eu une crise de tétanie. Plus chère et plus petite portion nous prend pour des cons. Supermarché, padapadapa. Supermarché, padapadapa. Rayon boucherie ou poissonnerie, sur la lessive ou même les fruits, y a tout ce que tu peux pas te payer au supermarché. Oui, du coup, le gouvernement va lancer une nouvelle campagne. On va passer de manger 5 fruits et légumes par jour à manger au moins une fois par jour. Oui, avant il y avait travailler plus pour gagner plus et maintenant c'est travailler plus pour gagner pareil pour manger moins. Oui. Le signe extérieur de richesse, ce sera plus les voitures mais les caddies. Hein. Alors pour avoir l'impression de moins se faire enfler, moi j'invite tous les Français à aller faire un tour dans les magasins cachers parce que là-bas l'inflation c'est toute l'année et comparativement ils vont se dire que c'est pas cher au supermarché standard. Non, parce que les juifs craquer son PL pour un rôti de bœuf, ils connaissent, je peux vous le dire. Alors la deuxième idée de génie, pour éviter les inégalités sociales à l'école, le gouvernement nous propose une idée révolutionnaire. Hey, l'uniforme! Eh oui, ils veulent faire une expérimentation. Bah, vous pouvez demander à nos parents et à nos grands-parents, a priori ils connaissent. Hein. On nous le ressort tous les 3-4 ans, l'uniforme, quand on sait pas quoi faire pour l'école. Vous avez vu d'ailleurs, j'ai ressorti le mien. Hein. C'est l'industrie du textile qui va pas être contente. Eh oui, si on arrête d'acheter des fringues à nos enfants, Okaidi et Jacadi, ils vont tirer la gueule. Déjà que la moitié des marques de fringues font faillite. Camailleux, Koukaï, maintenant Naf. Mais du coup, il aura quelle tête cet uniforme? Hein. Est-ce que, parce qu'on est en France, on va faire appel à des prestats de la haute couture? Est-ce qu'on va faire un référendum pour le sélectionner? Ah là 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 là, mais c'est la catastrophe, mais chérie là. C'est pas magnifique du tout, hein. C'est un fashion faux pas. La jupette à carreaux en velours côtelé avec le polo, ça te fait une morphologie en forme de D comme dégueulasse. Du coup, pour aller au bout de l'égalité, pour pas savoir qui est moche, qui est beau, qui a des boutons sur le coin de la tronche, moi je dis on réinstaure le port du masque pour faire un unitête. Ou sinon, mais burqa et abaya à tout le monde, comme ça on passe inaperçu et puis c'est... Ah non? Ah, on a plus le droit. Excusez-moi, autant pour moi. Non, moi j'ai une idée sinon. On peut vous proposer l'uniprof. Ah, ce serait cool, ça consiste à avoir le même prof toute l'année. Parce que dans de nombreuses écoles, eh ben, on manque encore cruellement de personnel. Et oui, parce qu'après le Covid, la France souffre d'une nouvelle maladie dont on n'a pas encore trouvé le vaccin, la démissionnite. Alors, c'est des gens qui démissionnent comme ça du jour au lendemain, pouf! Et oui, il faut faire attention parce que c'est contagieux et ça touche toutes les catégories sociales. Il y en a même qui démissionnent de leur poste de journaliste pour devenir politicien. C'est un truc de fou, hein. Dernière idée révolutionnaire. Le pass Navigo va encore augmenter. La RATP aussi fait du shrinkflation, payer plus cher pour circuler moins. Il y a une saturation des transports et moins de conducteurs. Ah bah, depuis que Jean Castex est devenu le PDG, ça marche plus qu'avant.
Ah oui, bah ça marche plus qu'avant. Enfin, je veux dire, on marche plus, quoi, voilà. Bon, pour finir, une petite blague. C'est Anne Hidalgo, elle va au commissariat et là, elle dit « Je veux porter plainte contre l'État parce qu'il me donne pas assez d'argent pour gérer Paris. » Ah là, c'est la chute. Je sais pas si c'est la chute de la blague ou la chute de Paris. Mais bref, sur ce, rendez-vous sur les réseaux, sur Annabelle Show. Et en attendant que le monde aille mieux, on peut toujours rêver. Alors, je vous souhaite une bonne journée. Merci Annabelle Nakache. Et le Pass Navigo qui va passer sur l'iPhone, sur une appli également. Christophe Barbier, c'est le Barbier du matin. Vous recevez Loïc Signor, porte-parole Renaissance. Les grands débats commencent sur